m'appelle Tia, j'ai 17 ans. Je suis née en Arménie, je suis venue ici quand j'avais 3 ans. Mes hobbies sont chanter, dessiner, écrire. J'étudie encore en secondaire à l'école européenne du. Si, j'aime les vacances, mais non, il faut bien étudier, il faut bien apprendre. Mon rêve serait de travailler en tant que chanteuse dans la musique, mais je m'intéresse à l'étudier et travailler comme dans le marketing ou comme organisation dans l'organisation d'événements. Parce que je travaille dans l'événementiel, donc je travaille comme hôtel d'accueil. Je suis très intéressée par rapport au mariage et organisation des mariages. Comme ça. Mes hobbies sont chanter, dessiner, écrire. Je chante un peu de tout, mais je chante plus du jazz, du blues. Non, je suis pas dans un groupe, je chante solo. Mais je serais très intéressée d'être dans un groupe. Je suis juste trop timide pour demander à les gens de s'allier. Je suis venue en Belgique quand j'avais 3 ans. Et donc j'ai maintenant 17 ans. Non, si, je me souviens parce que j'y retourne chaque année pour un mois ou un mois et demi, j'y retourne chaque année. Je dirais que la mentalité est très différente. Là-bas, les gens sont très familiales, même avec des gens qu'ils rencontrent peut-être quelques minutes avant. C'est très chaleureux, c'est pas comme ici où c'est chacun pour soi. Je participe à Miss Arménie Belgium parce que je pense que ça serait une expérience de vie. C'est quelque chose à essayer, voir. J'aime bien essayer tout ce qui se présente à moi et tout ce que je peux faire. Je n'ai pas vraiment d'attente quelle que soit, mais je sais pas, rencontrer des gens, faire des amis, participer à quelque chose, juste pour le plaisir. Je dirais que mes qualités en fait vont un peu ensemble parce que on peut dire que je suis honnête, mais je suis souvent un peu trop honnête. Donc sans réaliser, ça arrive que je fasse un peu mal aux gens, mais c'est jamais d'une manière méchante, c'est toujours positif pour quelqu'un puisse. Je peux être très émotionnel, mais je peux aussi ne montrer aucune émotion du tout. Donc c'est très. Oui, je passe la plupart de mon temps à regarder des films. Je n'ai pas forcément de film préféré, mais j'ai un genre de film préféré qui sont les films d'horreur. On ne dirait pas, mais oui, c'est tout ce qui. J'adore tout ce qui peut me surprendre, ce qui n'arrive pas souvent du tout, malheureusement. Parce que je n'ai pas peur, je n'ai quasiment peur de rien. J'écoute de tout, sauf de la musique classique et du heavy metal. Mais sinon le reste j'écoute de tout. Ça m'arrive de sortir, mais je suis très occupée par mes études et par mon travail pour sortir très souvent.